Hey, salut, salut. Ça va bien? Quel magnifique coucher de soleil, n'est-ce pas? Donc comme vous l'aurez constaté, on est sur Gmod Dark RP et j'ai trouvé un nouveau métier. D'ailleurs, je savais même pas qu'il existait ce métier. Au passage, je savais même pas que ce lac existait, tout court. J'ai dû passer des milliers de fois devant sans m'en apercevoir. Et en fait, mon métier, c'est gérant du lac. Donc oui, sur ce serveur, je m'appelle Maurice Dupont. Apparemment, on n'avait pas le droit de faire de jeux de mots, donc voilà. En quoi consiste le métier de gérant du lac? Ça consiste à louer des jet-skis. Jet-skis, bateaux... Attendez, je vais vous dire ce qu'on peut louer. Normalement, véhicules... Voilà, on peut prendre des jet-skis, des speedboats et des powerboats. Alors, je m'y connais pas du tout en gérant de lac ou quoi que ce soit. Ce que je vais faire, c'est que je vais commencer par faire une construction. Je vais essayer de grillager le tour du ponton, là. Donc, on va essayer de faire ça, bien gentiment. Qu'est-ce qu'ils veulent? Oui, bonjour. Bonjour, monsieur. Bonjour, monsieur. On voudrait faire un petit tour en jet ski. Un petit tour en jet ski? Ah, ben tout n'est pas fini, mais pas de problème. Pas de problème. Ah, ça fait toujours plaisir. Ah, bah bien sûr, ça fait toujours plaisir. Par contre, on va dire que c'est 200 balles le quart d'heure, c'est bon? Oui, oui. Je vais payer aussi pour mon collègue, je lui offre. Monsieur, je lui offre. Ah, merci, monsieur. Merci, monsieur. Ok, ça marche. Donc ça fera 400 balles pour vous deux, les gars. Attendez, je vous sors deux jet ski. D'accord, petit tir. Je vous sors okay. Ça, les gars. Et voilà, on va faire tout ça deux tours de jet ski. Ah, bah impeccable. Allez. Là, vous pouvez faire toute la journée, là. J'arrive. Je vais vous sortir ça, les gars. J'ai payé. Hey, ça marche plutôt bien, mon truc de jet ski. Impeccable. Ouais, ça va. Tu sais, j'ai 29 000 en banque. Ah bah ça va, impeccable. Attendez, je vous sors ça, les gars. C'est bizarre, les jet skis, là. Voilà, les gars, vous avez le choix. Non. Ah non, 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 non. Hey. Non, non, lui, là-bas, par contre, non. Je vais aller l'arrêter. Allez, allez-y. Allez l'attraper. Non, non, hey. Je suis là, je suis là. Ouais, ouais, mais descends. Descends, descends. Allez-y, les gars. Alors, on s'amuse bien, là-bas. C'est bizarre, quand j'ai les jet skis. Je peux pas monter dessus, moi. Voilà, voilà, voilà. Du coup, regarde, il est où? Ah bah il est là, t'es là. Je me suis mis gérant du lac. En fait, je loue des jet skis et je me fais du petit business comme ça. C'est pas mal comme ça. Attends, par contre, je vais les mettre mieux que ça. Je vais les mettre un peu mieux que ça. Alors on s'amuse bien là-bas. Monsieur le marchand noir, j'aurais besoin d'une arme s'il vous plaît. Oui. Alors ça va, il était bien ce petit tour en jet ski. Oui, oui, très très bien. Ouais, c'était tranquille. Mais j'ai pas fini ma petite affaire là. Je vais mettre des panneaux et tout, mais je sais pas comment faire. Mais mon ami là, il va m'aider, je crois qu'il sait. Ce que je vais faire, c'est que je vais bouger un peu ça. Voilà. Attendez les gars, je vais faire un petit tour vite fait. Tester un peu mon matos quoi, normal. Ça va? C'est du bon matos. C'est du bon matos. Je vais le garer. Et je crois que votre collègue il a pris go au jet ski. Ah, j'adore ça, j'adore le jet ski. J'adore, c'est trop bien. Eh Martin, attends, faut que je gare mes bateaux moi. Je vais juste garer mes bateaux. Eh pour l'instant ça marche bien ma petite affaire. Hein. Je me suis fait un peu de thune vite fait. Hein. Oh putain, c'est quoi ça? Oh la vache! Attends, je vais garer mon bateau tranquillement. Voilà, je gare mon bateau ici. Si tu veux m'aider, tu prends un jet ski et puis on va les garer juste à côté, côte à côte. Attends, pour mettre les panneaux. Ah, ça, si tu t'y connais en panneau, c'est super bien. Moi, je vais garer les jet skis. Alors, attendez. Comme ça, c'est un panneau. Ah, attends, j'arrive. Attends, je garde mon jet ski. Et attendez, je vais faire un petit tour de jet ski pour voir. Vite fait, histoire de voir. Petite vue extérieure. Wow, pas mal. Yes. Oh, ça déchire. Franchement, j'aime bien. C'est plutôt sympatoche. Déjà, ce que je vais faire, c'est que je vais agrandir un peu le parc. Parce que ça, c'est quand même important. Voilà, ça, ça dégage, ça dégage, ça dégage, ça dégage, ça dégage, ça dégage. Mais ça aussi, ça dégage, voilà. Tout dégage, en fait. Voilà, impeccable. Là, les gars, c'est pas mal. Putain, c'est un truc de fou, comment qu'il y a personne. Il y a personne chez moi. Voilà, on va bien décorer ça, bien comme il faut. Voilà, on va mettre des petits bancs, tranquillement. Voilà, non, c'était pas vraiment ça que je voulais faire. Voilà, on va bien l'accrocher là. On va en mettre deux de chaque côté, deux panneaux de chaque côté qu'on va mettre. Hey, excellent. On va même mettre des petits panneaux 30 km/h pour faire des petites limitations de vitesse et tout. Ça peut faire des rappels quand les gens ils font des jet skis. Regarde. On va bien le mettre comme ça. Ça va être mon espace de travail, les gars. Voilà.
On va mettre une petite barque. Impeccable. Va falloir que j'aille chercher à manger. Je vais laisser ça comme ça tranquillement. Eh, moi je trouve plutôt que ça claque notre machin là. Bon, ça fait un petit peu déchetterie de loin, mais de près c'est bien, ça en jette. Par contre, ce qu'on va faire, c'est qu'on va acheter une petite voiture pour se déplacer tranquillement. Parce que ce qu'il y a, c'est que faire tout le temps les trajets à pied, c'est pas terrible, voyez-vous. Alors, ah mon dieu. Ah oui, il est cher. Je vais acheter un vélo et puis c'est tout. Allez, voilà, j'ai acheté un beau vélo. Et ben voilà. Bon, on ira peut-être plus vite avec ça. Quoique, c'est pas sûr. Je sais pas en fait. Allez, c'est parti les gars. On a notre tricycle. On va se dépêcher d'aller au Taco Bell, de trouver un cuisinier. Putain, par contre, faudrait qu'il pense à graisser la chaîne. Parce que là, honnêtement, faut qu'on se dépêche, c'est urgent là. Putain, mais c'est quoi ces ralentisseurs? Allez là. Oh merde. Bon, c'est pas grave. Il nous faut un rendez-vous avec le maire, les gars. Oh putain, c'est quoi? C'est la guerre là-dedans ou quoi? Je vais lui demander qu'il nous aide avec le maire. Insulte envers les mamans, ainsi qu'insolence et tout plein de trucs qui vont. Bon, les gars, on se casse. On va voir le maire et on va lui demander qu'il nous fasse un petit coup de pub pour notre location de jet ski. Parce que ça va bien, j'ai construit un truc de malade et y'a personne. C'est quoi ce bordel? Je me suis fait 1500 balles. En une heure. Bonjour monsieur, quel est le motif de votre visite? Bonjour, disons que ça aurait été pour voir monsieur le maire. S'il aurait pu me lancer pour un petit coup de pub pour mon affaire de location du jet ski, parce que je viens de me faire chier à construire un truc de malade, on dirait la foire du trône à côté du lac et y'a pas un chat. Ah. Donc j'aurais bien aimé. J'ai entendu parler. Vous savez, vous avez un système. Vous avez un journal dans la ville qui vous permet de faire de la publicité gratuitement. Je sais pas si vous êtes au courant. Ouais, je sais, j'ai écrit dans le journal, mais il y a toujours personne en fait. Donc je crois que c'est mort. Ah, c'est vrai que c'est pas la saison. Ouais, c'est pas la saison. C'est pas la saison, c'est ça. Pour le ski nautique, tout ça. Bah ouais, 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 forcément. Et pourtant, les marées sont bonnes, j'ai regardé les heures et tout, et c'est quand même un truc de fou. Ah, c'est dommage que les. C'est dommage que les gens n'en profitent pas alors. Eh, 500 balles la randonnée, ça fait pas cher. Vous allez dans le sud, c'est 1000 balles la randonnée. Tout de suite. Hein. Ah oui, oui, effectivement, oui. Ah ouais, ouais. Mmh. Bah écoutez, je vous souhaite bonne chance dans votre commerce. Un bon courage, voilà. Une bonne expérience. Ça va s'améliorer. Ouais, je vous remercie bien. Allez, bonne journée à vous. Au revoir. Pas de problème, bonne journée. Au revoir. C'était pas concluant du tout. Cette personne souhaitait simplement parler de son commerce, mais. Vous voulez savoir. Son commerce de bateau qui coule. Voilà, c'est ça. Son commerce de bateau qui coule. Oui, c'est ça, et c'est un peu. C'est un peu le Titanic en ce moment. C'est ironique, effectivement. C'est pour ça que vous aurez vu les lois. Normalement, faut me demander pour ouvrir un commerce, mais je vais pas vous taxer sur votre commerce qui ne fonctionne pas. Hein. Dès que ça fonctionnera, je vous rappellerai. Ah, j'ai pas vu les lois, monsieur le maire. Ah ouais, ok, d'accord. Non, mais c'est pas grave, vous inquiétez pas. Vous, oui, si ça m'aurait vraiment interpellé, je vous l'aurais dit. Mais d'ailleurs, le tableau des lois, attendez, je vais le changer, je vais le mettre là. Règle en vigueur. Respectez quiconque dans cette ville. Ne faites rien d'illégal, conduisez correctement. Permis de port d'armes obligatoires, 1000 $ à demander au maire. Les forces de l'ordre doivent être respectées. Les citoyens dehors, lors du couvre-feu, seront abattus. C'est très sympa qu'on a là. Je repasserai quand mon commerce sera florissant. Exactement, monsieur. Bon courage. Merci. Bon, on se casse. On va essayer de voir. Et ça se trouve, on a eu du client. Hein. Ce que je vais faire, je vais faire un petit coup de pub. Le lac est ouvert. Randonnée jet ski, pas cher. Voilà. Ah, c'est pourtant clair et explicite, non? On va aller voir ce qui s'est passé à mon lac. Qu'est-ce qui s'est passé ici durant mon absence? Pas grand-chose, je suis sûr. Bon, on va refaire un dernier petit coup de pub pour voir si ça marche. Randonnée jet ski, 500 €. C'est moins cher que dans le sud. Voilà, si avec ça, je remote pas du client, je peux plus rien faire. Voilà, en attendant, je vais m'asseoir sur mon banc. Voilà, on va attendre là, bien gentiment. Oh, comment que c'est mort? Y'a personne. Y'a personne. Et je vais être obligé de faire des tours de jet ski tout seul. Hein. Oh, attendez, c'est quoi ça là? Oh, c'est plutôt sympa ici. On pourrait dire que c'est ma maison ici. Ah bah c'est bien ça. Je peux surveiller mon commerce d'ici en plus. Bon bah voilà, hein, quitte à pas faire d'argent les gars. Moi je m'en fous. Je sors les printers. C'est bon, y'a personne. Je vais voir combien il m'a rapporté mon petit printer là. Ah bah c'est pas mal pour l'instant. Par contre la batterie, ouais. Peut-être falloir que j'en rachète au bout d'un moment. Est-ce qu'on a eu des clients? Yeah, ça a pas l'air en tout cas hein. Visiblement de ce que j'ai vu par la fenêtre. Attendez, regardez ça là. Le soleil se lève, c'est un beau matin pour faire du jet ski. Je comprends pas moi. Regardez ça, c'est pas une journée optimale ça. Qu'ils viennent pas me dire que c'est pas la saison. Donc la morale du jour, on aura retenu: ne faites jamais des études pour devenir gérant de lac et louer des jet skis hein.
ça ne marchera jamais. Il n'y a pas de débouché là-dedans. Je vous le dis direct. Hein. Regardez, j'en suis l'exemple. Non mais sérieux les gars, j'aurais ouvert un pôle emploi, ça aurait mieux fonctionné que ma location de jet ski quoi. Vous vous rendez compte quand même? Regardez ça! Regardez! C'est vide! Qu'est-ce que vous voulez qu'il y ait un pécor qui vienne se perdre ici quoi? Y'a rien les gars, rien, personne! Ah bonjour! Bonjour, vous voulez faire un tour de jet ski? Eh, vous allez vous éclater, ça va être un truc de malade! C'est 500 balles la randonnée, c'est pas cher! C'est pas cher du tout! 500 balles quand même! 500 euros et je vous laisse vous éclater! Pendant une petite demi-heure. Okay, monsieur. Ah yes, merci, je vous fais spawner un jet ski. Allez, venez. Et voilà pour vous. Allez, éclatez-vous bien, vous me direz des nouvelles. Attention, ça tourne. Hein. On a un autre client, ça c'est bon, ça, ça fait tourner le commerce. Attendez, je vais faire un tour avec lui. Allez, c'est parti. Allez. Voilà. Hey, monsieur. Oh. Alors, ça marche bien? Je vous dirais, c'est une petite course. Allez, une petite course. Je vous dirais, hein, c'est une petite course. 1, 2, 3. Allez, c'est parti! Oh, comment que je te mets la pilule! Oh! Oh putain! Oh putain! Oh la vache! Ah, ouais, clairement, le bateau il est plus rapide! Hein. Oh putain! Il est parti où? Ah, comment qu'il est parti avec mon jet ski? Rien à foutre, je le rattrape! Vas-y, c'est parti! Allez, vas-y. Alors ça va, ça marche bien. Ok, oh putain. Et je crois qu'on peut pas aller plus loin. Faut faire demi-tour. Ah ouais, on peut aller par là. Ah ouais, excellent. Et comment que j'y mets la pilule avec mon bateau quand même? On fait demi-tour, hein. On retourne au pont, ouais, au ponton. Ouais, ouais. Regardez, regardez, ça passe nickel, ça. Ça casse. Yeah. Attendez, oh, il y a encore... Non? Il y a encore des clients ou quoi, là? Impeccable, il faut le garer ici, voilà, c'est parfait. Combien le tour de jet ski? Ah, le tour de jet ski, c'est 500 balles. Ah, c'est 500 balles, c'est bien. Bon, ça. Vas-y, fais marche arrière. Yes, c'est bon. Allez, vas-y, tu me diras comment qu'il est, le tour. Et ça, c'est bon, les affaires vont bien pour l'instant. Non, pas sous le pont. Non, il a détruit ma barque. Attention. Ah, tu détruis mon matos là. Hein. Est-ce que monsieur, je pourrais essayer votre bateau? Ah oui, bien sûr. Désolé. Ouais, ben bah, par contre c'est 500 balles. Ah c'est 500 balles. Hein. Ah ouais, moi. J'ai déjà payé monsieur. Je gagne ma vie avec ça. Hein. Ouais, mais c'est re 500 balles pour réessayer le bateau. Attention, hein, le bateau. J'ai des petits soucis. Le bateau, c'est pas le jet ski, hein. Là, ça turbine là. C'est plus du 2 chevaux. Ah ouais, hein. Un bon, je dirais pas que c'est l'Eldorado avec mon histoire. Mais c'est quand même un marché florissant, la location de jet ski. Au final, ça marche quand même un petit peu. Et pourquoi tu fais des bruits d'eau quand tu cours? Ah bon? Ouais, ouais, je t'assure. On dirait que tu marches dans l'eau tout le temps. Non. Ah ouais, c'est pas mal comme ça. Regardez ça! Un tricycle fantôme, c'est quoi ce délire? C'est le tricycle que j'ai acheté tout à l'heure en plus. J'en ai acheté un comme ça tout à l'heure. Il est hanté le tricycle. Et il fait toujours des bruits d'eau, hein. C'est un truc de fou. Hein. Et tu fais vraiment des bruits d'eau, quoi, c'est bizarre. Retenu en otage. Tu peux avoir un autre ATM, hein. Qui c'est qui est retenu en otage? Pardon? La... Vous inquiétez pas, je suis gérant du lac. Je peux gérer. Je loue des jet skis. Je sais où aller détenu. Vas-y, vas-y, on te suit, vas-y, on te suit. T'inquiète. Allez, je te suis. Allez, c'est parti. On va suivre. Apparemment, il y a une prise d'otage. On va essayer de la débusquer. Je suis gérant du lac. J'ai fait des arts martiaux dans la vie. Tout va bien se passer. J'ai fait 2 ans de kung-fu et 6 mois de danse. Ça devrait le faire. Je maîtrise bien les ballerines. Circuler. Mais tu fais quoi, toi? Compte le capot. Bouge. Putain. Compte le capot. Mais non, on est là pour la prise d'otage. Tu vas aller compte le capot? Je vais faire le négociateur dans la prise d'otage. On va négocier bien gentiment. Monsieur? Moi, j'ai pas de sous. Monsieur, je suis gérant du lac. Tout va bien se passer. Mais y a pas de prise d'otage ici. Y a personne. Y a sûrement dû en avoir un, hein, parce que y avait les policiers là. C'est pas ici la prise d'otage circulée. Ouais. Et vous inquiétez pas, je suis gérant du lac. Comme je disais à mon collègue, j'ai fait 2 ans de kung-fu et 6 mois de danse. Je maîtrise bien les ballerines. Je suis fort en négociation. Y a pas de souci. Vous me dites, moi je peux vous accompagner. Non, moi je suis pas... Je gère pas la prise d'otage, désolé. C'est pas moi qui gère ça, c'est le SWAT, ok? Donc Elle où la prise d'otage? Vous avez jamais parlé en plein de prise d'otage, vous êtes juste un citoyen.
donc circuler maintenant. Je suis pas citoyen, je suis gérant du lac, moi. Et alors? Ça fait quoi? Eh ben, ça fait que je loue des jet skis pour 500 balles la randonnée. Et rentrez chez vous. Ah, c'est le couvre-feu. Ça fait rentrer chez vous. Ah ouais, c'est le couvre-feu. C'est le couvre-feu. Plus vas-y. Hé, hey, tu nous ramènes au lac? Rentre-toi. Vas-y, je te ramène, vas-y, monte. Vas-y. Alors ça, si tu veux, ici, c'est ma baraque. Et je tiens un truc de jet ski, viens voir. Je peux te faire faire un tour si tu veux, tranquille. Si tu veux faire un petit tour. Voilà, tu vois, ici, c'est location de jet ski. T'as vu? Sérieux? Bah on s'est mis pas mal, mais y'a personne. Y'a personne, mon vieux, c'est pas la saison. Je te jure, je suis moins cher que dans le sud, mais y'a personne. Ouais, je vais bien faire un petit tour DJ Tri, ouais, ça m'intéresse. Ouais, vas-y, c'est parti là. Ouais, yes. Vas-y, Maurice, toi, va sur le rouge, toi. Vas-y. J'essaie de monter sur le le truc. Vas-y, vas-y, monte. Yes. Hello. Accroche-toi. Bon, je m'accroche. Bon allez vas-y viens, je vais un peu, là. Je vais te montrer un petit une petite randonnée. Viens, suis-moi, suis-nous. Oh. Ouais. Eh accroche-toi hein, sur le capot. Hein. Oh putain les gars. Oh putain. Non ça va, c'est rien. C'est un petit peu d'avion. On fait de la... c'est de l'avion de jet ski, c'est bon, ça passe. Ça passe crème. Ça passe crème. Attends, voilà. Ouais, wow. Ouais c'est bon. Attends, est-ce qu'il suit derrière? Wow. Bah je crois qu'il est en train de galérer. Je crois qu'il galère comme moi tout à l'heure. Mais je crois qu'il suit plus du tout là. Oh merde, putain, merde. Merde. Eh, il est... Oh putain. Merde. Ouais, roule, allez. Oh putain. Attends, non, on n'a pas le droit ça. Faut que je me remette dans l'eau. Ah bah il est là, putain, et tu t'es... Eh, tu t'étais perdu. Alors, elle était pas mal la petite tour en jet ski. Ouais, t'inquiète, j'ai...